Mesdames et messieurs la famille, gros nouvelle cap a dominé actualité a bien bonnet jeudi 5 septembre 2024 là commissaire Jean Ernest Miscadin fait que mettez dominancier des gros chefs gang qui t'a bail en pile problème dans zone là. Population sorti manifester la contentement yo bat bravo pour commissaire Jean Ernest Miscadin, yon commissaire qui pas dormi pour lever bandi. Eh bien bien bonne matin, bandi sa yo ki tap essayé al braquer moun sou route nationale numéro DA. Nan moment n'a pas li la, mais si sa yo te la, yo pa la encore parce que commissaire déjà mette dormi nan zye yo. Opération la police l'armée d'Haïti ak police militaire Kenya yo nan Badelma, Solino ak Belè, eh bien c'est confirmé. Chef gang Badelma Jimmy Cherizier alias Barbecue perdit en pile bandi et nan moment n'a parlé là monsieur en gros difficulté et la police là force l'audio changer stratégie yo pas fait gens yo te kon fait longtemps rivé dans yon base gang fait des coups de balle et puis courir tourner dans base yo et puis bandi yo continuer à plaiter et bien fois ça chaque côté force l'audio mette pied yo tout campé là yo tout rete là. Eh bien, c'est dans ça, bandi yo pran PM Gary Koni, ak tout haut commandement, l'armée d'Haïti a yete mette piyo a terre, yo tal pote renfort, yo tal pote énergie, baye policier, baye militaire yo, ak police et militaire Kenya yo, qui campe en face gang qui passe suspend si men la terre nan mitan communauté ya. Nous avons divers autres détails importants, nous avons une chance de développer pour vous, mais nous avons une possibilité dans un petit budget pour nous suivre tout les détails. Voilà, ça c'est CGA là qui fait monter la machine là. C'est une misère, mamie. Ça c'est peuple là, madame, monsieur, et qui pour un commissaire là, et bien. Allez là, c'est commissaire là, fallait. Monsieur, c'est pour ça. La population là, vient retourner à regarder les divisions à terre. Il y a un peu de chaleur là. La zone est un autre qui va constater là, nous directement sur le national numéro 3 là. Eh bien, chef paquet mis en voie là, eh bien, stoppé deux individus. Et les individus, c'est présumé et braqueur motocyclette. Et bien, l'information nous donne, et les individus, qu'on fait mauvais acte, et bien, qu'on met volé et puis braqué pour un motocyclette dans la rue. Bien, les individus, ça a tombé bon 3 heures, et journée 5 septembre 2024, là, madame, monsieur, sur route nationale, numéro des agents qui ont constaté la population là, et qui vient garder. Et individu ça au terre là et bien chef paquet a et météo à terre là madame monsieur nous connaît que pendant Pierre Espérance lui même l'a parlé et bien chef paquet nous avons décidé de même avancer avec travail li, et sans aucun contrariété madame monsieur et bien nous connaît que toujours gagne rumeur comme quoi commissaire Miscadin pour le révoquer et bien et gros complot a fait sur le tout madame monsieur pour que le ministre de la justice a révoqué le chef paquet de Miraguana, mais le chef paquet de Miraguana a décidé et toujours de traquer les mauvais gagnants. Et bien, c'est dans l'optique ça, journée 5 septembre 2024, là, madame, monsieur, et bien, deux individus sont tombés et sur la route nationale, là, madame, monsieur, Jean-Pierre, vous avez regardé là, nous directement, et puis vous, perpétuel là, et bien, dans la communauté, et dans la zone Chalon, et bien, et d'après information et individu ça yo et ta moun et ville là et ta moun département et bien yon na de rele Jameson l'autre là et rele Sonson et bien et nous constater que et côté et Sonson hier et bien gion motocyclette et bien et côté Jameson hier et
pas de motocyclette, et bien, et ces deux individus, ça, je que moi explique là, et bien, qui tombé en baba chef, pas que nous avons là, et bien, nous là pour informer, pour que nous connaissions ce qui a passé au niveau du département, et bien, nous allons plutôt suivre comment la population et une garder des individus, ça, à terre à la vie. Opération qui a mené avec une synergie qui a gagné là-dedans, force kenyanan, force armée d'Haïti et puis police nationale là, au niveau de Bel Air, Solino, etc. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas gagné de chiffres. Et au-delà de ça, que Michel-Ange-Louis Jeune a avancé l'autre jour, mais tout au moins, c'est gagné de images qui viennent de nous qui montrent que la police a travaillé. Et de, c'est un changement de stratégie, tout, parce que souvent la police, c'est qu'on allait. Font ces opérations et puis ils tournent. Yeah. Okay, mais ça, monsieur, presque une semaine, si pas une semaine déjà. Hein? Mm-hmm. Une semaine, oui, une semaine déjà depuis qu'ils ont été présents dans la zone. Non. Et il a frappé, il y a pas résultat et guerrier. C'est bon signe parce qu'il y a un pile de monde qui a aimé que ça continue. Il t'a aimé, en pile monde t'a aimé que le continuer, en pile monde t'a aimé que il aboutit à résultat escompté, en pile monde t'a aimé que la police récupère territoire là et parti en guerre contre l'autre territoire que gang yo occupé jodiant là. Mais gagne un souci puisque moi dit nous que force là besoin opérationnel souterrain. À part de États-Unis qui mettait 369 millions. Gen yon fonds Nations Unies qui gen la dan 68 millions. Ouais. Pour force la opérationnelle, ça veut dire que pour gen 2500 moun que yo te prévo avec tout matériel yo, faut gagner 589 millions. Aujourd'hui, gen yon déficit de plus de 150 millions de dollars qui est accusé dans collecte qui a fait un pile pays qui pa vle bay, un pile pays qui pa vle contribuer, etc. Et a tel enseigne que Jamaïque t'a annoncé que très bientôt, la commencé voyer contingent. Après, il a annoncé que bon, c'est dans la phase évaluation que vous y a regardé pour si vous avez voyé véritablement. Maintenant, par rapport à problème de financement, problème de matériel, problème de ressources, ça, comme il y a nécessité pour que il y ait action urgente qui fait par rapport à mener gang dans le pays, hein, gagne possibilité qu'on y a là qui commence à explorer. Les États-Unis voulaient envisager, dans le moment ça, la guerre du seul, dans le journal tout à l'heure, transformer mission multinationale de soutien à la sécurité hein, en mission de paix, Nations Unies. Il y a deux monde qui dit, bon, si pas un corps pour mission multinationale, là, est-ce qu'il y a qu'à transformer la mission Nations Unies? Est-ce qu'il y a bien comme? Alors, un article que Miami Herald mettait dehors, qui fait part de questions, côté que ambassadeur Canada dans Nations Unies, on a parlé de Bob Rae, monsieur a expliqué que la plus facile, puisque Nations Unies ont un ensemble de pays qui gagnent l'armée, c'est facile qu'il y a mobilisé des troupes pour venir en aide à Haïti dans ces circonstances-là.
Mais cependant, l'initiative est capable de buter son résistance de pays tant que la Chine, avec la Russie, qui n'est pas favorable à une idée comme ça. La Chine, avec la Russie, pas d'accord que yo transforme mission ça. Mais en même temps, les États-Unis ont des difficultés pour le rassembler COB pour te permettre que yo arrive à 589 millions de dollars américains qui permettent que force la opérationnelle et dans le pays. Maintenant, on nous dit que, par exemple, force la transformer en une mission Nations Unies. Évidemment, nous faisons expérience Nations Unies en 2004. Aristide Finale, Nations Unies vini, pays a été dans mouvement de turbulence, et te gen kek gang, ministère la souterrain, quand même, présence li te dissuade kek bagay et facilite que, et en 2006, élection arrive faite pour que René Breval prenne RNBIA et puis gouverner la travers en administration démocratiquement élue. Mais rapide vite, nous avons dit que 2004, pas 2024. Et que le problème dans le présent est souterrain là, il est nettement différent par rapport à Jean-Claude Devini en 2004. Évidemment, il y a toujours des réflexions qui ont fait au plus haut niveau pour regarder comment vous avez agencé par rapport à ce qui est souterrain là pour le résultat. Que le Takabay là, puisque dans le monde qui dit, ah mon cher, et présence militaire avec char, et la beaucoup plus effrayé gang nan, la beaucoup plus permettre que nek qui gen zam nan men lan li même li font rentrer dans le trou parce que le konne militaire là, en mode opératoire, il pas pour aller jouer ensemble avec lui, il pas pour aller ceci, il pas pour aller cela. Mais, en même temps tout que mission Nations Unies qui a bay un résultat comme ça, c'est en même temps tout faut regarder contexte départ Nations Unies dans le pays. Après 13 ans que Nations Unies fait en Haïti, c'est vrai problème non pas comme ça, mais là les tout, les montre que pas de rien qui était fait véritablement pour résoudre problème non, sinon présence c'est dissuader les dissuader gang non. Aujourd'hui, nous besoin que un gang n'a éradiqué et que l'État a une capacité de mobilisation pour que l'Isérie question sécurité. Il y a deux monde qui disent que si Nations Unies là avril et force l'audio qui a profité de ça que Nations Unies capable faire pour que yo vienne indépendant et capable de boumer ensemble avec gang et puis sécuriser territoire là pour empêcher que nous tombions dans une situation comme ça encore. Mais le pas évident. Li pas évident du tout puisque souterrain à chaque me dit là. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons commandé. Et en pile fois tout, dans le genre de mission, ce n'est pas nous-mêmes qui avons le ton et ce n'est pas nous-mêmes qui avons demandé ça que nous voulons. Parce que je suis sûr, si c'était nous-mêmes qui avons la possibilité de demander ça que nous voulons, 369 millions ça, que les États-Unis investissent dans MMAS, pas qu'à avoir le résultat aujourd'hui. Là. Si nous investissons dans la police, nous avons pensé que. Mais oui, c'est la police dans l'armée. Dans l'armée en tout, voilà. Bon, c'est que nous avons mieux souterrain. Parce que quand il y a des gens qui croient jusqu'à maintenant que si l'armée a un minimum, la police a un minimum, on a un petit résultat qui a un souterrain. C'est-à-dire non seulement minimum, mais il y a une volonté. Tout. Ouais. Il faut qu'il y ait une volonté. Maintenant, on ne peut pas prendre volet militaire, sécurité, en seulement si on ne peut pas garder l'aspect social, guerrier du seul. Puisque dernière expérience nous avec ministère qui est en pile passif, c'est vrai que gain actif nous les dissuader gang etc. Si pas de ministère peut-être pas d'avoir élection et qui baille une préval président parce que les mon monte Montana c'est ministère qui a le contrôle nous des situation émeute de la faim etc. Bah, et bien que nous connaissons mission ça tout et par la suite et on va le contribution tout pour faciliter que gain de l'autre monde qui vient sous pouvoir qui pas ta doué venir sous pouvoir bref c'est pas l'analyse là. Maintenant on regarde sur le plan social de passif que ministère gain ministère quitté en choléra dans pays hein, qui déjà touyé plus passé 10 000 monde et qui te permettre que plus que 800 000 monde contracté maladie hein. Nations Unies reconnaissent
maladie, c'est ministre qui vient avec lui. Mais pas de dédommagement qui fait, ni pour monde qui contracte maladie, ni pour monde qui mourit de maladie. Sans compter, par exemple, de l'autre exaction qui fait, sodomisation, je me rappelle, et c'est ton dans le sud là. Et Johnny Jean, il consomme quoi, monsieur Dérilé. On sait atteint de Johnny Jean que le ministre t'es violé, petit garçon. 20 soldats ont violé, et ils ont monsieur. Sans compter tout, quand il était petit, sans papa, que Nexa a quitté dans le pays. Hein. Donc, on poids social, tout quelque part. Maintenant, est-ce que il y a deux réflexions qui a fait pour agencer mission onusienne ça à réalité pour éviter un ensemble d'exactions qui t'es faites pour que pas une fête là encore, c'est deux questions que moi-même personnellement pas de réponse de. Mais seul bagage c'est que m'a retourné au niveau de sécurité à travers une inquiétude avec élan que force multinationale là prend là tout au moins force kenyane non. Bon côté police nationale, bon côté l'armée, hein? Est-ce que si Elan ça vient casser guerrier Dieu seul, est-ce que ça peut permettre que gang yo même yo vienne reparaître plus puissant toujours? Ou bien est-ce que c'est non a changé le temps pour mise en place sur fait, c'est que il y a toujours probablement arrêté souterrain en attendant un changement fait. Bon, c'est pas quoi quelqu'un retrait. Et puis, pour aller vide. Il va t'adouer comme ça. Ouais. Mais tout est question de financement. Et monsieur Odou, il décourage le souterrain parce que pas de financement. Il y a pour même gâteau. Il y a c'est moitié comme il touche là. Dans 1500 dollars, c'est 750 dollars que touche aujourd'hui. Ça veut dire tout comme là. Et il y a même qui envisage que vous avez retourné. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que est-ce qu'il y a un cas sûr véritablement? Nous ne connaissons pas. Et c'est là l'inquiétude de l'arrivée. C'est que tu as doué un effort qui fait pour que pas quelqu'un casse qui gagne. Pour permettre que l'opération continue, mais qu'on y a là, nous posons l'autre question. Est-ce que mission la paix à l'Elvini, il n'y a pas changé mode opératoire dans tout? Oui. D'ailleurs, là pour un temps pour que l'installer, il faut gagner logistique, il faut gagner des bagages qui votent en faveur, il faut gagner des. On paquet de bagages. Ça m'a donné un temps. Ça m'a donné un temps. Et dans la phase que nous y là côté tout le monde souhaite ouais, que la police en synergie avec l'armée et peut-être force kenyane yo continuer bataille là, cette histoire de financement pas gagné, est-ce que le pas occasionne une cassure qui pourra le faire que nous pourra l'obliger à recommencer dans la bataille contre gang exam là qui déjà son puissance que lié souterrain. N'a fini guerrier Dieu seul pour nous dire que au regard du problème politique là, que par une solution pour lui, d'ailleurs, M. Blinken vini là, il parle décider de l'avenir conseil là, je dis. Hein? Au regard du problème financement ça tout, qui occasionne une lenteur dans l'opérationnalité force là, est-ce que ça veut dire que nous pourrons partir pour une troisième phase de transition? Puisque de toute façon, retard ça y est, il a occasionné des retards tout. Dans deux dates, dans deux échéances que transition a gagné pour que les satisfaits, notamment réaliser l'élection pour remettre pouvoir là, le 7 février 2026. Comme l'ambassadeur Canada a été souligné ça, je t'ai dit que l'ambassadeur Canada dans l'ONU, on va parler de Bobri, je t'ai dit que Fok Haïti implique le tout dans la recherche de solutions par rapport à problèmes qui a traversé. Parce que international n'a pas pu jamais venir résoudre bagaille pour lui, encore moins s'il pas résoudre toute bagaille pour lui. Est-ce que ça veut dire que dans la transition ça en attendant bagaille matché, l'État haïtien a un rôle pour jouer dans booster la police avec l'armée pour continuer de travailler contre bandi yo? C'est souhait pas nous. Comme nous beaucoup connaissons, ça a décidé définitivement dans l'agenda. Mes propositions pour transformer force multinationale là en une mission onusienne, l'idée déjà sous table là.
Et Anthony Blinken a venu discuter avec président conseil présidentiel transition. L'a discuté là avec premier ministre là, l'a discuté le tout avec leader politique que l'a rencontré. Oui, bonjour.